En toute simplicité, presque incognito, Michèle Crouzet fait quelques courses dans le centre-ville de Sens. Depuis son élection, hier, elle est pourtant députée de Lyon. Elle mesure l'importance d'un tel mandat, mais veut rester accessible à tous. Le but du jeu, surtout, c'est de ne pas changer, c'est de rester toujours soi-même. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on a maintenant, des fois, on a un respect, un grade à avoir, mais une prestance peut-être à avoir, mais n'empêche que pour les gens, je serai toujours comme je suis. Dans les rues, les habitants l'interpellent pour la féliciter et la saluent d'un bonjour, madame le député. Il y a encore 3 mois, peu d'électeurs connaissaient la conseillère départementale, alors centriste et UDI, mais une majorité a voté pour la candidate En Marche. Michèle Crouzet, vous la connaissiez depuis combien de temps en tant qu'élue ? Très peu de temps. J'ai assisté à quelques réunions et j'ai été rapidement séduit. De toute façon, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, il faut faire confiance. Il y a tout de même un arrière, hein, des arrières. En Marche n'a pas sélectionné n'importe qui. Mariée, mère de 3 enfants, Michèle Crouzet est aussi chef d'entreprise ici à Sens, mais va devoir laisser son mari gérer seul leur société. Elle veut se consacrer pleinement à son mandat de députée, mais insiste sur une chose, elle ne changera pas. Je vais garder mes convictions, je vais garder mon optimisme, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, qui en a beaucoup et qui a envie de faire. Et à partir de là, je pense que ça sera que profitable pour la circonscription. Ce qui va changer pour Michèle Crouzet, le quotidien et les kilomètres parcourus, la députée En Marche sera dès mercredi à Paris, à l'Assemblée nationale.